Salut à tous et salut à toutes, nous voici donc pour la suite de ce walkthrough sur Broken Sword Director's Cut Edition. Donc la dernière fois j'avais récupéré le diamant dans cette cave et on continue vers le château. Salut, donc, encore vous une fois, parlez en quelle langue? Sale des débiles. Puisque je vous réponds, vous êtes du genre à penser que tous les agriculteurs sont illettrés et analphabètes, c'est ça? Je lui lançais le regard que j'avais perfectionné à 12 ans pour devenir le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Ça marchait à tous les coups. Vous essayez de m'hypnotiser ou bien vous êtes atteint de constipation chronique? J'aurais peut-être dû m'exercer plus souvent. Ah, ça c'est notre bon genre. Ça fait du bien de le retrouver. Que pouvez-vous me dire sur le château? Pas grand-chose, c'est triste à dire, mais son histoire est un peu oubliée. Oh, si ces pierres pouvaient parler, elles en auraient des choses à dire. Des histoires qui vous glaceraient le sang. Vous savez, on dit que ce château a plus de 600 ans. Vous avez vu le professeur Pegram? Non, il a fait ses bagages et il est parti. Vous ne sauriez pas où? Il est retourné en Angleterre, sans doute. Vous n'auriez pas vu une voiture de sport rouge dévaler la route? J'ai aperçu un objet rouge sur la colline et j'ai entendu quelque chose. Un bruit terrible, même. Une voiture de sport, vous dites? Une Ferrari, pour être précis. Une voiture de course? Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Le pauvre gars avait dû se perdre. Le conducteur de la Ferrari a provoqué un accident. C'est vrai? Oui, il a renversé quelqu'un qui sortait du bar. Quel imbécile! Comment est-ce possible? Il allait trop vite. Tellement vite qu'il est passé sous la voiture? Je veux dire, la voiture allait trop vite. Mais l'autre idiot aurait dû l'entendre arriver! Peut-être que vous connaissez le gars qui a été renversé. Il s'appelait Sean Fitzgerald. Oui, je le connais bien. C'est mon neveu. L'idiot qui a entassé le foin n'importe comment. Il a été tué par la voiture. Ah non, il semble qu'il n'ait rien eu, mais on l'a kidnappé. Voilà deux nouvelles excellences. Ah bah vraiment sympa quand même l'oncle. Hein. Vous n'allez pas rechercher votre neveu? Pourquoi donc? D'après ce que vous dites, il est trop tard. On pourrait au moins le signaler à la police. Vaut mieux pas. Et qu'est-ce que ça ferait? Ils pourraient lancer des recherches. Ils n'ont qu'une bicycle comme moyen de transport. Dans un cas pareil, je miserais plutôt sur la Ferrari gagnante. Je crois que je parierais comme lui, hein. Il faut que je vous dise dans quel pétrin Sean s'est mis. Je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Mais vous êtes son oncle, son sort ne vous intéresse pas? Si, mais qu'est-ce que je peux faire? Si je m'en vais, il y aura bien un débile pour grimper sur le tas de foin. C'est un vrai dilemme. Restez ici et gardez cette édification agricole potentiellement mortelle ou partir à la recherche de mon neveu prodige, celui qui est responsable pour tout ce souk. Ça mérite réflexion. Pourquoi ça ne pose pas de problème? Vous avez raison. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Nous allons démolir cet entassement. Inutile de démolir les bottes de foin pour partir à la recherche de Sean. Je vais rester ici et je préviendrai tous les gens assez stupides pour vouloir grimper. Génial! Je vais commencer mes recherches au bar. Ah, pas mal quand même. Il commence ses recherches tout ça, mais dans un bar. Puis je me concentrais sur cette terrible meule de foin. Bien sûr. Nous ne sommes pas assez stupides pour grimper. En fin de compte, si. La meule de foin était plus basse que le mur. Même en me mettant sur la pointe des pieds, le mur était trop haut. J'aurais voulu être comme Alice au Pays des Merveilles. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a quelque chose qui sert à tout. Et voilà. J'insérais le bout de la barre en métal dans la fissure et je poussais fortement. Elle dépassait du mur en formant une espèce de marche. Et donc on grimpe. Donc là, on se retrouve avec la célèbre énigme du bouc. Ce qui était très difficile. Enfin, très difficile, c'est quand même un grand mot. En fait, qui était pas très simple à l'époque. Maintenant, vous allez voir, c'est d'une facilité déconcertante. Voilà. La corde qui retenait la chèvre était prise dans la charrue. Donc là, vous pouvez bien vous demander en quoi c'était si compliqué que ça. En fait, à l'époque, lorsqu'on allait de ce côté,
Bah, la chèvre nous fonçait tout de suite dessus, et donc il était impossible de mettre ce morceau de bois là en travers. Il fallait donc qu'on marche jusqu'ici, que la chèvre nous fonce dessus, pour qu'ensuite on court jusque là, mettre la barre. Bon. C'est pas exceptionnel, on va dire. Donc maintenant on va descendre. Maintenant que nous avons le champ libre. Comme d'hab encore, on regarde, on fouille et on se serre quand partout. Je plongeais mes doigts dans la fine poudre blanche, je compris ce que c'était. Du plâtre de Paris, j'en utilisais à la maternelle pour créer des empreintes de pattes d'animaux. La statue était trop lourde pour être tirée hors du sable. En remettant la pierre debout, je remarquais qu'elle avait laissé des trous dans le sable. Donc là, rien de plus simple, on prend la poudre. Je répandis le plâtre sur le sable jusqu'à ce que les trous soient pleins. Et maintenant, bien sûr, le plâtre comme ça ne sert à rien, il faut le mouiller. Et avant, regardez pourquoi on va le faire. Je plaçais mes doigts et mon pouce dans les cavités, mais rien ne se passa. Quelqu'un avait gravé un dessin de 5 trous sur le mur. Et en fait, une fois qu'on aura notre moule, eh ben, il suffira de le placer là. Donc pour ça, il nous faut de l'eau. L'eau, où on va la trouver? Eh ben, au bar. Donc, nous allons nous y rendre de ce pas. Ah. Donc, nous allons ouvrir le robinet. Le robinet grinça, toussa et cracha un jet d'eau rouillée. Ah. Je maintins la serviette sous le robinet. Elle se gonfla rapidement d'eau. Dans l'ancienne version, il fallait faire ça deux fois pour être absolument sûr que que ça soit bien mouillé. Je maintins Là, maintenant on referme le robinet. Je fermais le robinet aussi fort que je pouvais, mais il continuait à goûter. Et on est reparti. Donc là aussi, dans l'ancienne version, on voyait l'oncle au bar. Là, on ne le voit pas. Encore une fois, un petit défaut de la version de ce jeu. On redescend. Voilà, maintenant, on va utiliser l'eau. Le filet d'eau fut rapidement absorbé par le plâtre. Et maintenant, nous le récupérons. Je sortis le solide morceau de plâtre du sable. En dessous, on voyait la réplique parfaite de la statue. Et on va l'utiliser ici. Le moulage durci rentrait parfaitement dans les 5 cavités. Il y eut un léger choc, puis plus rien. Et donc dirigeons-nous vers la fin de nos péripéties en Irlande. Et maintenant nous nous retrouvons avec Nicole Collard. Cette fois-ci, nous repassons dans l'inédit.
Cette boîte avait été sculptée par mon père. Elle n'avait jamais eu de clé. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. Et on va essayer cette clé. Non. Ce n'est peut-être pas encore le moment, je ne sais plus. Bon, c'était pas encore le moment. Ça sera pour plus tard. Là, nous avons un message sur le répondeur. On va voir ce que c'est. Qui c'est. J'avais des messages en attente. Vous avez 3 nouveaux messages. Salut Collard, c'est moi, ton rédac chef préféré. Devine quoi? Je vais te laisser une deuxième chance. J'ai besoin de quelqu'un pour la rubrique télé. Ça paye pas terrible, mais c'est mieux que rien. Si ça t'intéresse, passe me voir au bureau. En fait, passe quand même, Nico. Il faut qu'on parle. Ton article, celui que j'ai mis au panier. Il revient sur le tapis. Tu t'es fait des ennemis très dangereux. Salut Nico, c'est ton vieux pote. Ton nouveau pote, George. Waouh, l'Irlande, c'est complètement différent comme pays. Incroyable. Et j'ai des super nouvelles pour toi. En fait, il y a de quoi écrire un article d'enfer. Oh, il faut que je file. J'ai un verre qui m'attend. On se voit demain, Nico. Slancha. Eh oui, je ne suis là que depuis une journée et je parle déjà l'argot comme les gens d'ici. Mademoiselle Collard, c'est Imelda Carchon. Je voulais vous remercier pour avoir été aussi compréhensive quand... Voulez-vous venir déjeuner avec moi? Disons demain, j'aurai peut-être du nouveau. Un certain monsieur Merlin vient me voir ce soir. Il m'a dit qu'il savait que Pierre avait été assassiné. En fait, il doit arriver bientôt. Je vous raconterai ce qu'il m'a dit. Au revoir, très cher, à demain. Merlin? Mon Dieu! Merlin est le tueur! Il faut que j'aille là-bas tout de suite! Quand il s'agissait de jouer les hypocrites, Imelda faisait partie des meilleurs. Je ne lui devais rien, mais je ne pouvais pas la laisser mourir. Vite, vite! Ouais, enfin, elle doit se dépêcher, là. À ma dérivée, je trouvais la cour du palais royal déserte. J'espérais seulement avoir devancé l'assassin. Il fallait que je prévienne Imelda avant qu'il ne soit trop tard. Bon. J'avais détaché le premier câble. On détache le deuxième. Ça sert à rien d'aller à la porte, hein. Parce que de toute façon, elle est fermée à clé, comme vous pouvez vous en douter. Les portes sont toujours fermées à clé. Même après avoir ôté les deux câbles, la statue restait droite. Et pour très longtemps. Si j'étais capable de déconstruire ça, je pouvais déconstruire n'importe quoi. Et maintenant, il ne reste plus qu'à grimper. La feuille de plastique était épaisse et solide. Il me fallait autre chose que mes mains pour la découper. Bon, alors on va utiliser... Bon, je vais essayer ça. Non. Non, c'est pas assez. Bon. La douille. Oui. Allez, rentre. Voilà. On se dépêche. Mon Dieu, je suis arrivée trop tard. Eh ben oui, elle est morte. Imelda. Oh non. Nico, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. C'était Merlin, c'est ça? Habillé en cavalier. C'est absurde. Vous êtes venu pour me sauver. Oh, je dois être folle. Laissez-moi vous regarder, Nicole. Depuis le début, vous vous êtes servi de moi. Qui est la véritable Imelda? Vous êtes une fille extraordinaire, Nico. Thierry aurait été tellement fier de vous. Vous ne connaissiez pas mon père? Vous lui ressemblez tellement. Vous avez les mêmes yeux. J'aurais aimé que nous prenions le temps de nous connaître un peu mieux. Elle n'était plus de ce monde. Elle m'avait trompée, m'avait menti et s'était servie de moi. Mais pourquoi? Pas d'idée, mais bon. Même dans la mort, Imelda n'avait pas changé. Elle était aussi belle qu'insondable.
La reine de glace, seule dans son palais de glace. Je l'avais ouvert, il contenait une petite clé. Eh ben, on va piquer la clé. J'avais pris la clé. Je devais partir. Je savais que je ne pourrais jamais revenir. Voilà, tout ça pour une clé. Espérons qu'elle soit utile au moins. Allez, on prend ce coffret, on va l'ouvrir et vérifier ce qu'il y a dedans. Sculpté par mon père. Oui, bon. Voilà. J'avais pris la clé. Je n'en croyais pas mes yeux. La clé d'Imelda ouvrait la boîte de mon père. Je redoutais ce que j'allais trouver à l'intérieur. C'était une photographie d'Imelda. Mais que faisait-elle dans la boîte de mon père? Je m'étais sentie comme aspirée par un trou noir. Imelda et Carchon, tous les deux souriants, alors que derrière eux, un village avait été rasé et ses habitants massacrés. Et là, à côté d'eux, me fixant des yeux par-delà les années, mon propre père. Il y avait une lettre. J'avais peur que le pire soit encore à venir. Hôtel Saint-Georges, Alger, vendredi. Thierry chéri, à l'heure où tu liras ces lignes, tu seras en sécurité loin de l'Afrique. Ne crains rien, Pierre et l'organisation ne savent rien. Ni pour qui tu travailles vraiment, ni pour notre relation. Crois-tu que je pourrais te trahir? Non, c'est impossible. Tu voulais que je le quitte, mais je n'ai pas ton courage. J'en sais beaucoup trop sur ce qui s'est passé ici. Il me trouverait et nous tuerait tous les deux. Je te souhaite une belle vie à Paris, Thierry. Ta vie. Une vie d'honneur et de devoir patriotique. Est-ce qu'on donne des médailles aux espions? Non. On leur offre simplement un poste bidon dans une ambassade quelque part. Je ne pourrai jamais partager ça avec toi. Tu m'imagines en femme de diplomate? Alors je dois rester ici avec Pierre. Nous sommes tous deux liés par ce que nous avons fait à ce pays. Au revoir, mon amour. Tu resteras dans mon cœur jusqu'à ma mort. Imelda. Tout devenait soudain logique. Mon père travaillait en secret pour le gouvernement. Il n'était pas dans le camp des méchants, finalement. Imelda et lui avaient dû tomber amoureux. Elle avait découvert sa véritable identité et il avait dû partir. Elle avait eu le cœur brisé, mais n'en avait jamais vraiment parlé à personne. Moi-même, je n'aurais pas pu. Il avait de bonnes raisons de garder le secret sur ses agissements. J'avais décidé de respecter son désir. Et de n'en parler à personne. Et voilà qui conclut les passages inédits de cette version. Autrement dit, ça casse pas trois patins à un canard. Et elle est largement dispensable. Bon, ça apporte un plus, hein. Je vais pas cracher dessus non plus. C'est comme un DLC compris dans un jeu. Lorsqu'il est gratuit, autant le prendre. Pendant un instant, j'avais eu envie de faire comme si j'étais sortie, ou de lui demander de partir et de revenir plus tard. Mais... Entre ! Salut, Georges. Alors, où étais-tu hier soir ? Chez McDavid. J'ai bu un verre avec Doyle et deux autres types. Ce qui explique ta tête d'aujourd'hui. T'as dormi au moins ? Pas beaucoup. J'ai dû partager ma chambre avec un autre gars. Et il ronflait ? Pas vraiment. Il était mort. Et tu dis que Pigram avait disparu? Sans laisser de traces. Mais ma visite n'a pas été totalement inutile. Le joyau de Pigram? Le joyau des Templiers. Qui que soit ce Jacques Marquet, il va être déçu. Jacques Marquet? C'est le gars à qui Fitzgerald devait remettre la pierre précieuse. Que comptes-tu faire? Je veux savoir qui est Montfaucon ou ce que c'est, et le trouver. Mais tout ce que j'ai pour le moment, c'est un nom et l'image d'un homme pendu. Bon, eh ben on va y aller, hein. De toute façon, on a tout ce qu'il tu faut. Tu veux garder la pierre précieuse? Non, j'aurais trop peur de la vendre. Je ne peux pas rester ici toute la journée, même si ça ne me déplairait pas. Ok, n'oublie pas de voir Lobino au musée Krune. Et pourquoi n'irais-tu pas vérifier si Rousseau n'a rien de nouveau? Ok, je peux faire quelque chose d'autre pour toi tant que j'y suis. Des courses? Un petit voyage au pressing? Contente-toi de prendre soin de toi. Oh, ça c'est pas trop dur. Pour l'instant, personne n'a essayé de me tuer.
J'avais tellement envie de parler à George de tout ce qui s'était passé, mais je savais que je ne pourrais jamais. Les liens de mon père avec l'Afrique devaient rester secrets. Son courage ne serait connu que du gouvernement et de moi. En parler ne ferait que salir sa mémoire. Les gens déformeraient la réalité en apprenant cette histoire. Il serait vite accusé d'être le méchant et Carchon serait érigé en héros. Je savais comment ça se passait. J'étais journaliste. Bref, et là, maintenant, direction... On a le choix, le café de la Chandelle Verte, le musée Crune, ou aller au poste de police. Bon. Allons voir au poste de police. Ce n'était qu'un document de police, un mandat d'arrêt. Sergent Mou ? Oui ? Je voudrais porter plainte. Une plainte à quel sujet ? Une plainte pour agression. J'ai été attaqué par deux truands. Ouais, je vois. Et où s'est déroulée cette soi-disant agression ? Devant l'hôtel Ubu. Ils m'ont coincé au moment où je sortais et ils ont fouillé mes poches. Vous pouvez décrire les suspects, monsieur ? L'un des deux hommes ressemblait à un gorille, l'autre à une fouine. Ils s'appellent Flap et Guido. Bon, cette fois je les aurai. Vous connaissez un homme qui s'appelle Marquet ? Oui, on l'a longtemps appelé la taupe du tertre. Il paraît qu'il a été hospitalisé. Sûrement un règlement de compte. Savez-vous à quel hôpital on l'a emmené ? La clinique Hagenmeyer, dans l'avenue des Hérissons. Pourquoi appelait-on Marquet la taupe du tertre ? Parce qu'il habitait à Montmartre, place du tertre. D'accord, mais pourquoi la taupe ? Ah, je ne sais pas, peut-être qu'il creusait dans les jardins. Oh, super quand même. La super explication à deux balles. Vous connaissez un homme appelé Khan ? C'est un type louche avec une cicatrice sur la joue gauche. Non, monsieur. Il se fait aussi appeler Thomas Merlin. Désolé, monsieur Stobart. Je ne le connais pas. Cet homme a-t-il quelque chose à voir avec l'explosion du café ? Oui. Je crois que Khan est le nom qu'il a utilisé lorsqu'il a loué le costume de clown. À plus tard, sergent. Maintenant, on a de nouvelles choses à faire. Allez. Bref, donc maintenant on peut aller à l'hôpital ou... Voyons voir le musée, si on peut trouver Lobino. Non, bon bah alors c'est un petit tour à l'hôpital. Excusez-moi. Oui, monsieur ? Je suis bien à la clinique Hagenmeyer ? Tout à fait ! Je me croyais au jardin des plantes. Ah, les fleurs, c'est ma contribution. Un peu de verdure pour évoquer la nature. En quoi puis-je vous aider ? Je viens voir Jack Marquet. Ah oui, vous êtes de la famille ? Oui, on s'était perdu de vue, je suis son frère. Un frère deux fois plus jeune que lui, avec un autre nom et un accent américain ? Je sais, les gens disent toujours ça. C'est la faute de maman. Nous avons été séparés dès notre plus jeune âge après une embrouille à la garderie du centre commercial d'Auckland. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule de toute ma vie. C'est possible. Bref. Alors vous pensez que je vais voir Marquet avant qu'on l'enterre ? Ce genre de commentaire ne vous mènera à nulle part. Mes instructions sont très claires. Personne ne rend visite à Marquet. Alors si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes de la famille ou que vous êtes un proche, vous perdez votre temps. Est-ce qu'un homme habillé en clown est venu voir Marquet ? Ah non ! Vous n'avez vu personne avec un déguisement ? Il y a bien l'ours Théodore qui vient tous les jeudis pour amuser les enfants. Personnellement, je pense plutôt qu'il les fait mourir de peur avec son vieux costume d'ours tout râpé. Si j'étais clouée sur mon lit avec des tubes partout, il serait bien la dernière personne que j'aurais envie de voir. Est-ce que deux gangsters sont venus voir Marquet ? J'espère que non. Vous pouvez me les décrire ? Un type maigre qui ressemble à une fouine et son ami le gorille. Mais ce n'est pas un zoo ici ! Bref, donc, merci pour votre aide. On peut pas y aller. Quoi. On va aller voir ailleurs. On va truander. Comme si ça changeait. Ah. Tiens, c'est bizarre.
Effectivement, je crois que j'ai oublié de parler de quelque chose avec la standardiste. Excusez-moi. Oui, monsieur ? Vous avez vu cet homme dans la clinique ? Non, monsieur, et je n'oublie jamais un visage. Regardez ce laissez-passer. Ah, c'est vous, Merlin ? Marquez vous cherchez. Moi ? Oui, il hurlait votre nom quand on l'a amené ici. Attendez voir. Il était au pavillon B12, si je me souviens bien. Oh, il a été transféré au... Oh, misère ! Il est au pavillon J2. C'est... Le pavillon de l'infirmière Grendel. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'infirmière Grendel ? Elle dirige la clinique comme une prison sud-américaine. Un peu de discipline ne fait de mal à personne. De la discipline ? En matière de discipline et de punition, elle pourrait donner des cours au marquis de Sade. Tout, mais alors tout doit être respecté selon une règle définie. 6h tapante, réveil. 6h10, direction la selle. Et malheur à celui qui n'arrive pas à faire. Ses patients sont comme les chiens de Pavlov. Mais c'est un cauchemar, cette femme. Je fais des cauchemars plus agréables. Si l'infirmière Grendel est aussi horrible, pourquoi est-elle tolérée par la direction ? Elle est comme un canapé. Je commençais à y voir clair. Cette femme était verte de jalousie. Comment puis-je trouver le pavillon de l'infirmière Grendel ? Au bout du couloir sur la gauche, tournez à droite quand vous êtes aux toilettes des internes de deuxième année, puis encore à droite quand vous arrivez à la salle de repos des directeurs, tournez à gauche après le sauna des administrateurs, puis allez vers la gauche quand vous arrivez au bout, c'est le bâtiment J2. Bonne chance. Ouais, effectivement. Merci là... Merci pour votre aide. Y a pas de quoi. Ouh. Heureusement, y a pas à dire. On n'a pas à se taper tout le chemin tout seul. Il le fait automatiquement. Bon, dans un sens, c'est un peu assisté. En arrivant au coin du couloir, je vis ce qui provoquait ce bruit d'enfer qui se répercutait le long des murs. C'était une cireuse maniée par un drôle de type. Hello. Hein ? J'ai dit hello. Oh, bonjour. J'aimerais vous parler une minute. C'est bien ce que j'avais entendu. Il ne faut pas avoir l'air si abattu. Moi, même quand ça va très mal, je ne suis jamais déprimé. Ah oui ? C'est quoi votre secret ? Le sourire. Tout ce qu'on peut faire, c'est sourire et siffler un petit air. Si vous commencez à siffler, je vous casse les dents. Ça marche. Savez-vous où je peux trouver un patient nommé Marquet ? Non, je n'ai pas le droit d'aller dans le pavillon avec Monsieur Brillant. Vous avez vu des personnages louches rôder dans les couloirs ? Non, monsieur, mais je n'ai rien à craindre. Que dites-vous, Monsieur Brillant ? Vous leur feriez leur fête ? Je n'en doute pas. Avec un ami comme lui, on n'a rien à craindre des oppresseurs. Ça doit être sécurisant. Ça l'est. Est-ce que par hasard, Monsieur Brillant serait cette machine à astiquer ? Allons, s'il vous plaît, ne dites pas ça devant lui. C'est plus un ami qu'une machine. Je suis avec Monsieur Brillant depuis 3 ans. Et il ne m'a jamais fait un sale coup. Comment se fait-il que vous soyez lié à cette machine à reluire ? Je vous ai demandé de ne pas l'appeler comme ça. Il a un nom, vous savez. Oui, Monsieur Brillant. C'est juste que... Vous pensez que c'est bizarre, c'est ça ? Ce n'est pas grave. Le reste de l'équipe pense que je ne suis pas net. Je les ai entendus, ils rigolent dans mon dos quand je donne son bain hebdomadaire à Monsieur Brillant. Ouais, donc plus tard. C'est ça. On va s'éloigner, hein. Et là, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Pourquoi ? Je suis responsable de ce placard et de son contenu. Bon, bah on va continuer notre chemin pour l'instant. Oui, monsieur ? Je suis bien dans le bâtiment J2. C'est exact. Mais vous n'avez rien à faire ici. Nous avons des règles très strictes pour les visites. Vous ne pouvez pas faire une exception ? Je viens de Californie. Il faut que vous en parliez au docteur. Je ne peux pas attendre. Il ne va pas tarder à claquer. Ce genre d'expression est interdit ici. Vous êtes dans un hôpital. Vous devez partir. Bon. Eh ben, on n'a plus qu'une solution. On va encore truander.
Lorsque je tirai le fil hors de la prise, la machine se mit à tousser, à crachoter, puis mourut. Allons, monsieur Briand, qu'est-ce qui vous arrive? Et maintenant, on va... Allez, donne-moi la main. On va vite piquer ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire une blouse. Voilà, on ressemble à un médecin maintenant. Comme quoi, l'habit fait le moine. Donc là, on revient au départ, parce que j'ai envie d'écourter un peu ce passage. Hello, je m'appelle George Stobart. Ah, l'homme que je cherchais. Faut à fait être le nouveau. Ça doit être ça. Eh bien, cessez de traîner et rendez-vous utile. Venez. Tiens là, mon garçon. Voici Benoît, mon neveu. Puis-je le laisser entre vos mains expertes? Mais bien entendu. Il vient de sortir de la fac de médecine. Ça va lui faire du bien de voir un véritable docteur en action. Ça, c'est sûr. Faites-lui faire le tour de la maison, qu'il palpe enfin la souffrance. Je clique pour lui parler. Non, mais... Il est où, là, le Benoît? Ah, il est là. Bonjour, je m'appelle George Stobart. Oui, monsieur. Comment tu t'appelles, mon gars? Benoît, mais on m'appelle Benet. Benet? Comme idiot? Ça ne te dérange pas? Je m'y suis habitué. Ok, Benoît. Tu vas m'aider. Tout ce que vous voudrez, monsieur. Tu connais un malade nommé Marquet? Non, monsieur. Je ne sais pas grand-chose sur les malades. Je n'avais jamais rencontré un médecin qui admettait ses limites. Je suis seulement stagiaire, monsieur. J'en apprends tous les jours. Tu connais l'infirmière du bâtiment J2? Non, monsieur, c'est mon premier jour ici. Mais je suis prêt à en découdre. Je veux dire soigner mon premier malade, bien sûr. Pas découdre les patients. Tais-toi, Benoît. Tout de suite, monsieur. Suis-moi, allez, Benoît. On est parti. Je colle à vos pas, monsieur. Bonjour, docteur. Les patients sont prêts pour la visite, docteur. Merci, infirmière. Vous aurez besoin de ça, docteur. Elle m'avait gratifié d'une longue boîte en métal et d'un sourire à tomber par terre. Merci. Auriez-vous le temps de voir le patient numéro 3? Il s'appelle Eric Sopmarsh. Vous avez un patient nommé Marquet ici? Oui, monsieur. Il est dans une chambre privée au bout du pavillon. On l'a mis à l'écart des autres. Pourquoi Marquet est-il en quarantaine? Si vous voulez avoir ces renseignements, il faut vous adresser à Herr Hagenmeier. Tout ce que je sais, c'est que la chambre de M. Marquet est interdite. Vous savez qui a payé pour la chambre de Marquet? Évidemment que non. Un traitement de faveur comme ça, ça doit coûter les yeux de la tête. Cela ne me regarde pas, monsieur. Vous avez des clowns ici? En effet, nous avons un clown professionnel. Je suis sûr qu'il détend l'atmosphère. Pas vraiment. Monsieur Boissy est dans le coma depuis 3 mois. Monsieur Boissy souffre de quoi? Il a eu un terrible accident. Une erreur idiote avec un monocycle. Son état actuel est dû à un choc post-traumatique. Je pense qu'il ne pourra plus jamais refaire le clown. Ça fait toujours un clown de moins. Notre cher Merci, George. Infirmière. Bon. Au revoir, monsieur. Allons-y. Auscultons les malades et en fait, dans la première version, on pouvait s'occuper des deux premiers là, que vous voyez. Ben là, on a raccourci parce qu'on considérait que c'était nul. Ou que ça ne correspondait pas, je ne sais pas pourquoi ça a été retiré, mais c'était... Ça apportait une bonne touche d'humour, là, on n'a rien. C'est un peu décevant, même. Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Je m'appelle Dr. Stobart, et je suis là pour vous guider sur la voie étroite de la guérison. Le Dr. Monroe a dit qu'il n'existait pas d'antidote à ma maladie. Votre problème, c'est que vous êtes resté au lit trop longtemps. Vous êtes sûr d'être un médecin compétent? Je vous conseille de le croire. Je vous conseille de le croire. Que pouvez-vous me dire sur Marquet? C'est l'homme dans la chambre individuelle, c'est ça? Cette chambre était à moi avant qu'on m'en expulse comme un vulgaire squatteur. Vous savez ce qu'a Marquet? Vous voulez rire? Ils ne savent même pas ce que j'ai moi. Au fait, docteur, donnez-moi votre diagnostic. C'est... un peu prématuré. Mais je suis là depuis 3 mois.
Quelle est votre opinion sur l'infirmière Grendel? C'est une jeune femme très efficace. Efficace? On dirait que vous parlez d'un remède contre la toux. Ah, pour ça aussi, elle est efficace. La femme à l'accueil m'a décrit l'infirmière Grendel comme un monstre. Eh bien, c'est un mensonge. Elle est assez sévère, mais c'est son métier qui veut ça. Il faut un minimum de discipline dans ce genre d'endroit. Je vais prendre votre tension maintenant. Pourquoi? Je suis médecin. C'est mon devoir. Allez, George, prends la tension. Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre. Normal, je suis pas médecin. Connaissez-vous un certain Merlin? Non, docteur. Je reviendrai plus. Bon, là, on va donner en fait à Benoît. Voilà pourquoi j'étais revenu en fait. Benoît, où à l'entrée. Parce qu'on n'est pas du tout médecin. Tensiomètre. Merci bien, monsieur. Que dois-je en faire? Eh bien, garde-le au chaud jusqu'à ce que je trouve une idée. Suis-moi, Benoît. Je colle à vos pas, monsieur. Salut. Je reviendrai. Je sais plus comment faire. Hey, Benoît. Oui, monsieur. Tu as toujours le temps. Ah oui. Qu'est-ce que je dois en faire, monsieur? Utilise-le sur l'infirmière Grendel. Hein? Vas-y, elle va adorer. Bon, d'accord. Docteur Stobart. Pourquoi? Pourriez-vous réserver vos blagues fumeuses au carabin de l'internat? Nous sommes dans un hôpital, pas au Moulin Rouge. Oh, lâchez les gaz. Je vous ai entendu. Encore une effronterie de ce genre, et je vous dénonce au docteur Hagenmeyer. Suis-moi, ouais. Benoît. Je colle à vos pas, monsieur. Vous n'avez pas fini de... Allez, faut aller prendre l'attention de l'autre. Vous allez vous taire un peu, vous dérangez les autres malades. Je me tairai quand vous aurez pris correctement ma tension. Je dois voir Jack marqué avant. Et pourquoi il a le droit à un traitement de faveur, lui? C'est parce qu'il est riche, c'est ça? Je reviendrai quand vous cesserez d'être aigri. Bon. Hé, hey, Benoît. Il faut prendre sa tension. Ben, on va lui prendre sa tension. Tu as toujours le tensiomètre que je t'ai donné? Ah oui, qu'est-ce que je dois en faire, monsieur? Utilise-le sur Eric Sotmarsh. D'accord. Voilà. Je préfère que ça soit vous que moi. Je suis le docteur Stobart. Bonjour, docteur. Vous connaissez un certain Marquet? Il est en quarantaine, doc. Juste derrière cette porte-là. Marquet est l'homme que je suis venu voir. Je n'entrerai pas si j'étais vous. Il a la fièvre afteuse. Je dois rendre visite à mes patients. Pourquoi faire? La routine. Ne serait-ce que pour voir s'il respire encore. Et si ce n'est pas le cas? Je signerai la décharge et j'indiquerai que son lit est libre. Vous ne croulez pas sous l'émotion, dites donc. Cette année d'études vous apprenne à oublier la compassion. Vous êtes bien le style à avoir une blouse blanche. Merci. Vous avez vu des personnes louches dans les couloirs? Oui, en effet. Un gorille et une fouine? Non, un ours tout miteux. L'ours agissait de façon étrange. Eh bien, il portait un chapeau mou. Et c'est illégal? Non, mais c'est assez étrange pour un ours. À plus tard. Au revoir, doc. Bon, allons-y. Marquet? Je suis Marquet. Je vous attendais. C'est vrai? Alors, qu'attendez-vous? Qu'on en finisse? Je veux simplement savoir ce que je dois faire avec la pierre précieuse. Le joyau de Lochmarne? Oui, là, dans ma poche. Je vous ai pris pour l'un des Hachachis. Vous vous trompez. Je n'ai jamais avalé la fumée. Alors, on vous a envoyé à ma place. C'est ça. Vous auriez du mal à aller en Irlande dans votre état. Que dois-je faire avec la pierre? Remettez-la au grand maître. Et vite, dites-lui que j'ai localisé le trépied. Et... Vous l'avez? Pas encore, mais on s'en occupe. J'ai engagé deux truands qui ont un don pour les délits mineurs. Ça ne serait pas Flap et Guido par hasard? Vous les connaissez. Quant à Klausner, il est parti à la recherche d'oies sauvages en Syrie. Ils ont des oies en Syrie? Il a une théorie concernant l'emplacement.
Assez d'excitation pour aujourd'hui, monsieur Marquet. Que faites-vous ici? Je discute avec ce patient, bien évidemment. Monsieur Marquet est mon patient. Si R. Hagenmeyer apprenait ça... Bon, j'y vais. De toute façon, j'avais eu tout ce que je voulais de Marquet. Ah, vous êtes là. Je commençais à vous chercher. J'ai terminé avec votre pompe à tension. Merci, Benet. C'est quoi ce bruit? On dirait que quelqu'un a une crise cardiaque. Tout va bien. Le docteur est avec lui. Vous êtes sûr que c'était un docteur? Oui, monsieur. Il m'a montré sa carte. C'est le docteur Bray. Il n'y a pas de docteur Bray dans cet hôpital. C'est un imposteur. Non, il fait bien de dire ça, le George. La porte est fermée. Aidez-moi, vous. Reculez, messieurs. Ah, comme dans les films. Et voilà, Marquet est mort. Requiat in pace. Salut, Georges. J'ai trouvé Jack Marquet. Il a parlé? Oui, il a parlé, pour la dernière fois. Il est mort? Oui, abattu froidement par un faux médecin. Quelle horreur! Quelle sorte d'homme peut se faire passer pour un docteur et abuser d'un mourant? C'était Khan? Non, je ne sais pas qui c'était, mais ce n'était certainement pas Khan. Il s'est échappé, par la fenêtre. Tu as déjà entendu le mot Ashashi? Non. Marquet a dit qu'ils étaient ses pires ennemis. Son pire ennemi était le faux docteur. Ah, ne m'en parle pas, ce type était diabolique. Il avait des yeux fous et fixes, comme un poisson mort. Je ne ferai plus jamais confiance à un médecin de ma vie. Tu crois que c'est notre assassin qui a tué Marquet? Je ne pense pas. Il aurait pu l'éliminer la première fois. En plus, Marquet l'aurait reconnu. Il avait le cerveau farci de calmant. Il n'aurait même pas reconnu les quatre cavaliers de l'Apocalypse s'il s'était présenté à lui. Bon. Il faut que je retourne parler à l'autre extraterrestre. Lequel? Rousseau ou l'inspecteur Mou? Ou est-ce que tu veux parler d'André? Devine. Ah, j'aime bien, on parle de l'autre Mou, mais en fait, on l'a jamais rencontré. Alors que dans la version originale, on l'avait. Donc c'est pour ça, il y a tellement de... Il y a des choses qui tiennent plus trop la route, quoi, dans cette version. C'est vraiment dommage. Excusez-moi, vous êtes André Lobineau? C'est moi. Vous voulez mon autographe? Non, on m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Vous aider? Je m'appelle George Stobart. J'aimerais avoir votre avis de professionnel. D'accord, allez-y. Est-ce que le nom de Montfaucon vous dit quelque chose? Bien sûr. C'était l'endroit le plus horrible de Paris jusqu'à la Révolution. Des toilettes publiques? Non, un gibet. Des milliers de gens ont été exécutés là-bas. Un temple de la mort, avec des dizaines d'arches montrant des suppliciés. Des corps en décomposition se balançant au bout d'une corde grinçante, tandis que des corbeaux les dévoraient. Cela explique l'image du pendu. J'ai trouvé une référence à Montfaucon en Irlande, dans un village appelé Lochmarne. Lochmarne? Mais c'est là que Pigram faisait ses fouilles? C'est exact. Il est parti avant que j'arrive. Vous connaissez bien Pigram? Pas vraiment. Je l'ai rencontré à une conférence. J'aurais bien aimé discuter avec lui plus longuement, mais il était pressé. C'était quand? Cet été. En juillet, je crois. Où se trouvait Montfaucon? Au nord-est, près du canal Saint-Martin. Mais il n'y a plus rien maintenant. Le vieux gibet a été abattu pendant la Révolution. Vous connaissez le mot Ashashi? C'est le nom des membres d'une terrible secte musulmane. C'est de là que vient le mot assassin. Elle a été formée en Perse au XIe siècle, peu avant les croisades. C'est-à-dire en même temps que les Templiers. Le chef des fidèles était le vieux de la montagne. D'où vient le nom assassin? De la légende qui concerne le rite d'initiation des fidèles. Le jeune homme qui voulait rejoindre la secte devait fumer du hashish jusqu'à ce qu'il ait une vision. Il se réveillait dans un jardin fabuleux avec tout ce qu'il pouvait désirer. De l'eau fraîche, des plats délicieux, du hashish bien sûr, et les plus belles femmes. Cool, vous avez l'adresse? L'histoire n'est pas terminée. Il y avait un prix à payer pour ce paradis. Ça, je l'aurais payé. Le jeune homme se réveillait le jour suivant dans le monde réel. On lui indiquait alors qu'il avait eu un avant-goût du paradis réservé aux martyrs, et que pour accéder à ce royaume divin, il lui fallait d'abord devenir un hashashi. Comment fonctionnaient les assassins? Comme je vous l'ai dit, les nouvelles recrues étaient prêtes à mourir pour leur cause. On leur apprenait à utiliser le poignard, le poison et le déguisement. Puis le grand maître de la secte désignait un ennemi d'Allah. Alors plus rien ne pouvait les arrêter tant que l'homme n'était pas mort. Exactement. Ils étaient très efficaces, car rien ne leur faisait peur. Est-ce que la secte des assassins existe toujours? Regardez ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui et dites-le-moi.
J'aimerais avoir votre avis sur un manuscrit médiéval. Vraiment? Vous l'avez sur vous? Non, il est trop fragile. De plus, certaines personnes seraient prêtes à tout pour s'en emparer. Très étrange. Vous avez une copie du texte? Il n'y a presque rien. Juste quelques phrases en latin. J'espérais que vous pourriez me donner votre avis sur les dessins. Sans voir le manuscrit, ça me paraît difficile. Dites-moi seulement ceci. L'image de deux hommes chevauchant la même monture vous fait penser à quoi? Au chevalier du temple. Est-ce que le sceau des Templiers est visible sur ce manuscrit? J'aimerais vraiment voir ça. Le manuscrit est chez une autre personne. À Paris? Oui, pas loin d'ici en fait. Eh bien donnez-moi l'adresse et je viendrai y jeter un coup d'œil. J'hésite. Il faudrait que je voie d'abord avec elle. Ah, une femme? Oui, une amie quoi. Cette amie qui a le manuscrit. Ah oui, la jeune fille anonyme. Elle habite au 361 rue Jarry. Je vois très bien où c'est. J'irai dès que possible. Vous pouvez me parler des chevaliers du temple? Sans problème, mon petit Georges. Soldat, diplomate, mercenaire, moine, banquier. Tout ce que vous voulez, il l'était. La plus grande puissance armée de la chrétienté. La milice de Dieu. Rien que ça. D'où les Templiers ont-ils tiré leur nom? De l'endroit où ils avaient installé leur quartier général. Le roi chrétien de Jérusalem leur avait offert une partie d'une mosquée située sur le mont du Temple. C'est sur cette même colline que Salomon aurait élevé son temple. L'ordre prit le nom des chevaliers du Temple, puis celui des Templiers. Vous êtes un puits de science, André. Vous aider est un plaisir, Georges. Comment les Templiers sont-ils devenus aussi riches? Beaucoup d'hommes rejoignaient leur rang. Un grand nombre étaient des nobles. Ils devaient faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Leur fortune et les biens revenaient donc au temple. Les Templiers se sont implantés en France, mais aussi en Écosse, en Angleterre, en Espagne. Presque partout en Europe, en fait. Les Templiers avaient juré d'être pauvres pour eux, pas pour le temple. C'est vrai que le trésor des Templiers n'a jamais été retrouvé? Qui sait? On a si peu d'informations sur ce qui s'est réellement passé. Ou alors, la vérité n'a jamais été rendue publique. Que voulez-vous dire? Les Templiers sont un peu mythologiques. Comme les Chevaliers de la Table Ronde, par exemple. Il y a même des gens pour affirmer que l'Ordre des Templiers existe toujours. Ça vous paraît plausible? Absolument pas. Il faut que vous sachiez que le trépied va être volé. Le trépied de Locmarne? C'est pas vrai. C'est la vérité, je peux même vous décrire les voleurs. Avant que le crime supposé ait lieu? Je les ai entendus préparer leur coup. Ils perdent leur temps. Le trépied est protégé par un système d'alarme extrêmement perfectionné. Ok, ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Pourquoi ne me prêteriez-vous pas le trépied pour limiter les risques? Parce que je ne le reverrai plus. Vous n'avez pas confiance en moi? Ce n'est pas une question de confiance. Ce trépied a des centaines d'années et il est excessivement fragile. Je vois. Bon, on ne pourra rien en tirer de lui. Y a pas de quoi. Donc là, ce qu'on va faire... Attention! Vous ne trouvez... Je préfère être renfermé que mort. Qu'est-ce qui vous dérange? Pas seulement, monsieur. Il y a un nouveau fast-food qui vient d'ouvrir en face. Le Bison Hilar. Et alors? Ils font cuire leur hamburger en plein air et la graisse tombe sur le charbon. Ouah! Vous n'avez pas idée de ce que ça engendre comme particules organiques et résidus de fumée. Depuis qu'ils ont ouvert, le taux de pollution a doublé. Et ça empeste comme dans un incinérateur. C'est pour cela que je garde les fenêtres fermées. Donc là, on attend qu'il se retourne. N'ouvrez pas! Vous avez oublié le bétail qui brûle? Donc il faut attendre. Eh oui, attendre, attendre. Il faut savoir être patient dans la vie. Une fois qu'il est assez loin... On peut rouvrir. Voilà. Et on se dirige vers le sarcophage. Bah oui. Et maintenant, on se bloque dedans. Et c'est parfait. On ferme, monsieur Lobino. Déjà? Bah si seulement il y avait plus d'heures dans une journée. Il y en a bien assez pour moi. J'ai hâte de rentrer chez moi et de m'enfoncer dans un fauteuil. Eh bien, à demain. Bonne nuit, monsieur. Arrête de faire les débiles, espèce de crétine. Ramène tes fesses ici et apporte la lampe de poche.
Et là, on pousse vite le poteau. Bah, qu'est-ce que... Qui est là? Tirons-nous d'ici. Quel idiot. Et quand j'ai repris mes esprits, j'étais au poste de police. Heureusement, j'ai réussi à convaincre Rosso que j'étais innocent. Pauvre George. Quel désastre. J'ai tout fichu en l'air. Je ne trouve pas. T'as bien embrouillé ces deux escrocs. Ouais, mais le tueur s'est sauvé avec le trépied. Je ne crois pas. Il n'est pas le seul à pouvoir porter un déguisement. Tu veux dire que c'est toi qui as volé le trépied? Bon sang, Nico, j'aurais pu me faire tirer dessus. Tes deux crétins étaient tout juste bons à se mettre une balle dans le pied. J'aurais préféré que tu me dises ton plan. On est censé faire équipe. Et comment se fait-il que tu sois habillé en ombre chinoise? Oh, ne fais pas ta mauvaise tête, Georgie. Ah, zut. Et ne m'appelle pas Georgie. Je pensais vraiment que ça te ferait plaisir. Après tout, on a le trépied. Oh, à propos, j'ai eu une visite d'André Lobino. Ah oui? J'espère que tu ne m'en veux pas de lui avoir donné ton adresse. Pas du tout, j'étais contente de le revoir. Il a sauté au plafond quand je lui ai montré le manuscrit. Ce n'est pas souvent qu'il s'excite comme ça. Il a fait un dessin des armoiries du chevalier pour l'emmener au musée. Je crois qu'il a pu identifier la famille qui possède ces armoiries. J'espère que c'est le cas. Je ferais bien de continuer ma quête. Et donc, soit on peut partir directement et aller en Syrie. Non, pas encore. Hein? Je pensais. Bon, ça sera plus tard. Donc, soit on peut aller à Montfaucon, ou retourner au musée. Moi, je vais partir à Montfaucon, et je vous laisse sur cet écran, et vous dis à la prochaine fois pour la suite de ce Wokfu sur Broken Sword Director's Cut Edition. Bye.